Est-ce que vous en avez marre de passer le balai ou l'aspirateur ou alors de nettoyer les poils de chien ou de chat? Eh bien figurez-vous, j'ai la solution les potes. Pour l'occasion du Black Friday qui va se passer dans quelques jours, j'ai tout simplement Ecovac qui m'a envoyé leur nouveau produit qui est tout simplement le Debot X2 Omni. Et je peux vous dire que comparé aux autres modèles, il y a vraiment un gros changement, surtout au niveau du design et de ses compétences. Vous allez voir, vous allez péter un câble. Bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui sont plus intéressés par des unboxings de produits tels que Action ou Temu, mais je sais qu'il y a aussi des gens parmi ma communauté qui adorent que je teste les nouveaux aspirateurs robots qui viennent de sortir. Et comme je suis en collaboration long terme avec Ecovac, je suis très content de vous présenter aujourd'hui le Debot X2 Omni. Et je vais vous montrer dans cette vidéo, on va tout tester. Je vais le déballer, je vais vous montrer les produits en détail. Et aussi à la fin de cette vidéo, on va tester hein, tout ce qui est en mode compétence. Parce que je peux vous dire que là, ils m'ont dit, là, tu peux y aller. Les poils de chat, tu peux y aller. Tu liquides sur ton parquet, tu peux y aller. Ce nouveau robot, le X2 Omni, il fait tout. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de voir ça dans cette vidéo, les potes. Bien sûr, si vous aussi, vous souhaitez un robot aspirateur, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai une énorme promotion pour l'occasion du Black Friday sur cet appareil. Parce que de base, il coûte assez cher, mais avec la promotion, là, je l'ai en tête et je vous le dirai à la fin de cette vidéo, vous allez avoir une énorme réduction sur ce produit. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement de le déballer et de vous le montrer. Parce qu'au niveau du design, il y a vraiment du changement. Là, jusqu'à présent, vous avez connu les robots aspirateurs qui étaient ronds, alors que ce nouveau modèle, il est rectangle. Vous allez voir si il y a vraiment du changement là. À commencer par le robot qui est ici. Et en ce qui concerne la station, parce que ouais, c'est un robot qui est complètement automatisé, la station est tout simplement ici. Donc comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a réellement comme avantage et de changement par rapport aux autres modèles? Eh bien, je vais vous montrer tout ça, vous allez voir. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va le tester chez moi, vous allez voir. Là, ils m'ont un peu décrit tout ce qu'il était capable de faire, et bien on le testera dans cette vidéo. Hein. Déjà, au niveau du modèle, tout ce qu'on peut voir, c'est que ça a changé. C'est pas le même emballage. Et sur ce, il est tout simplement ici. Ah, enfin du changement Ecovac, ça fait du bien. Hein. Ça va être autre chose que toujours les mêmes robots qui sont un peu tous ronds là. Regardez actuellement, regardez le nouveau design de ce X2 Omni. Là vraiment, là on a quelque chose de vraiment rectangle. Et juste ici, bien évidemment, on a les deux serpillières, les deux grosses roues qui permettent d'aller vraiment partout. Vous allez voir, je vais vous décrire un peu tout ça. L'endroit où ça aspire. Et le gros changement cette année, c'est qu'en fait, il ne possède plus deux brosses. Il possède maintenant une brosse. Et vous allez voir qu'apparemment, une brosse, ça suffit amplement, vous allez voir. Et vous allez sûrement me dire, mais pourquoi ils ont décidé de faire un format carré en fait? Eh bien pour la seule et bonne raison, car grâce à son design carré, il permet une couverture de nettoyage jusqu'à 99,70%. En gros, c'est-à-dire que comparé aux autres modèles qui étaient ronds, au niveau des angles, c'était assez compliqué d'y parvenir. Tandis que là, avec ce robot, aller dans les angles, il pouvoir le faire tranquille. Et c'est bien pour ça qu'ils ont mis leur nouvelle brosse juste ici. D'ailleurs, attends, elle est où? Elle est tout simplement ici. On va la fixer tout de suite en quelques secondes. Hop là. Et voilà, il est prêt au fonctionnement, la limite. Au niveau du robot, il mesure 32 cm de large sur 9,5 cm de hauteur, ce qui permet en fait qu'il puisse par exemple aller sous les meubles, contrairement à leur ancien modèle qui possédait une tour juste ici. Et bien en fait, c'était assez compliqué d'aller sous les meubles pour le nettoyer. Sauf que là, grâce à sa hauteur de 9,5 cm, il va pouvoir carrément aller partout. Je vous ai dit qu'ils avaient fait de nombreux efforts Ecovac. Et là, franchement, j'ai hâte d'aller l'essayer. En plus de ça, au niveau de ces deux serpillières qui sont à l'arrière, et bien elle possède une fonction capable de se lever de 15 mm lorsque par exemple vous passez sur un câble ou alors sur un tapis, qui permet de ne pas embarquer par exemple un câble ou alors de nettoyer un tapis, tu vois. Ça, c'est la grande nouveauté de ce produit. Et en ce qui concerne de sa puissance, il possède une puissance de 8000 Pa, qui est clairement deux fois plus comparé à d'autres modèles que j'ai testés. Dites-vous que par exemple le X1 Omni, il avait 4000, là c'est 8000, c'est deux fois plus de puissance. Donc c'est pour ça qu'au début de vidéo, je vous l'ai dit, si jamais vous voulez nettoyer de la poussière, du liquide, par exemple, dès que vous renversez quelque chose, ou alors même des poils de chien ou de chat, clairement, cet aspirateur, il va pouvoir tout dégommer. Là, franchement, dès qu'il va avoir de la poussière par terre, il va la dégommer, il va l'aspirer tel un ouragan, le truc. Je vous le dis, hein, je dis pas ça parce que je suis sponsor, c'est juste que depuis des années, j'ai des appareils Ecovac chez moi. C'est incroyable. Depuis, je lave pratiquement plus jamais ma maison. Enfin, à part à des endroits qui sont hauts, mais tout ce qui est en termes de sol, franchement, j'ai plus besoin.
surtout avec son système de lavage rotatif Osmo Turbo 2.0 avec son tissu chenille. Voilà, vous allez pouvoir tout nettoyer comme il faut. Là, ça va être incroyable. Là, les mères ou pères de famille, vous allez revivre. Bon, par contre, qu'est-ce qui change comparé aux autres modèles pour ceux qui s'y connaissent un peu? Eh bien, ce robot aspirateur, le X2 Omni, il est tout simplement équipé de la technologie AV 3D 2.0 et du TrueMapping 3.0 qui lui permet par exemple une navigation basée sur l'IA. Franchement, c'est incroyable. Il y a même de l'IA dans les robots maintenant, qui permet apparemment d'éviter des obstacles un peu comme les autres modèles. Mais la grosse nouveauté de celui-là, c'est que par exemple, si jamais vous avez par exemple votre chat qui passe devant ou votre chien, eh bien il va pas foncer dessus, il va clairement l'éviter. En fait, c'est clairement que maintenant il va éviter les obstacles en temps réel. Par exemple, si vous passez avec vos pieds juste devant, hop, il va s'arrêter, il va changer de trajectoire. Franchement, ça, c'est la grosse nouveauté de ce robot. Et bien sûr, vous me connaissez, on testera ça juste après. Et bien sûr, ça, on testera juste après, là, cette petite station, là. Mais bon, juste avant, je vais finir de parler de ce robot. Grâce aussi à l'application EcoVac que vous pouvez directement télécharger sur iOS ou Android, où vous allez pouvoir carrément contrôler le robot sur votre téléphone. Ça, ça y était pour les anciens modèles et ça y est aussi sur le nouveau modèle. Mais apparemment, elle possède une nouvelle cartographie 3D et une assistance vocale ICO, mais cette fois-ci en 2.0. Pour ceux et celles qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est l'assistance ICO? C'est tout simplement comme Alexa à Amazon. Eh bien, ICO, c'est l'assistant vocal de ce robot et ce qui lui permet en fait de lui parler et de lui demander de faire n'importe quoi. Comme par exemple, dès que vous allez demander ICO, comment ça faire le ménage? Eh bien, il va pas chômer, il va y aller de suite. Bref, là maintenant, tout ce que j'ai envie de faire, c'est directement de le tester, mais juste avant, on va parler de sa station. Parce qu'apparemment, là aussi, il y a des nouveautés. Comme par exemple, au niveau de son design, là, franchement, il y a du design de fou, à commencer par son écriture EcoVac des bots X-Series. D'ailleurs, on va enlever... Hop, juste ça, et juste là les potes. Comme vous le savez déjà, c'est une station tout en un automatisée. C'est-à-dire que là, juste ici, vous avez son bac à poussière. Lorsque le robot va revenir à sa station, il va se vider automatiquement. Et bien sûr, juste en levant juste ici, on a le droit à avoir deux réservoirs de 4 litres. Celui-là pour mettre l'eau propre ainsi que le produit. Et celui-là qui va bien évidemment avoir tout ce qui est l'eau usée juste après l'utilisation du nettoyage du robot. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez strictement rien à faire à part mettre de l'eau et du produit et une fois tous les 60 jours vider et changer le bac à poussière. Voilà, l'aspirateur et la station s'occupent de tout. C'est incroyable. Moi j'ai l'ancien modèle chez moi, je peux vous dire que bah ouais, je mets de l'eau une fois par semaine, genre ça prend 30 secondes hein, de mettre de l'eau et mettre le produit. Bien sûr, pendant ce temps ça prend aussi 30 secondes à vider l'eau sale, et le bac à poussière, vous avez juste à le prendre, tirer, et voilà, vous avez directement le bac à poussière, vous mettez à la poubelle et vous l'échangez contre un nouveau. Et ouais les potes, c'est l'avantage d'avoir un robot aspirateur de la marque EcoVac. Vous économisez en quelque sorte du temps lorsque vous rentrez du boulot et que vous n'avez pas trop envie de faire le ménage. Et bien pourquoi le faire? Il y a le robot qui s'occupe de tout. Bien sûr aussi, l'autre spécificité de cette station, d'ailleurs il lui manque un petit truc juste ici, juste devant pour que le robot y aille tranquille. La station possède aussi un auto-lavage automatique pour tout simplement les deux serpillières qui sont à l'arrière, où en fait dès que le robot va arriver à la station, déjà il va se recharger, l'eau usagée va se vider pour se remplir dans le réservoir d'eau usée, et en plus de ça, la station possède une technologie qui permet de nettoyer automatiquement les deux serpillières à l'eau chaude à 60 degrés, ce qui permet un nettoyage automatique où en fait, juste après nettoyage, les serpillères seront propres à environ 95%, et une fois qu'il est rechargé, vous pouvez lui demander de repartir, les serpillères seront propres, le produit ira directement dans l'aspirateur et ça fera le nettoyage automatiquement. Enfin bref les potes, ce que je vous propose dès maintenant, c'est tout simplement d'aller chez moi pour le tester et voir toutes ses fonctionnalités, si vraiment ça fonctionne. Et je vous parlerai bien sûr de son prix. Restez bien jusqu'à la fin, vous n'êtes pas prêts. Allez, direction chez moi. Les potes, j'espère que vous êtes prêts. On est chez moi et j'ai préparé un parcours pour le robot. Franchement, je me suis gavé. Comme vous le voyez, le parcours est tout simplement délimité en une seule zone où en fait, on va pouvoir voir si le robot fait exactement ce qu'il annonce. En fait, sur ce parcours, j'ai mis tous les obstacles ou toutes les choses qu'apparemment le X2 Omni est capable de nettoyer. Comme par exemple, j'ai mis un obstacle qu'apparemment le X2 Omni est capable d'éviter. En deuxième lieu, j'ai mis carrément des poils de chat pour voir si ça nettoie correctement. En troisième temps, j'ai mis bien évidemment
des petites poussières et des petites saloperies qui sont assez lourdes. En fait, c'est de la litière pour chat qui j'ai mis à l'intérieur pour voir aussi si ça nettoie des poussières assez lourdes. Et en dernier lieu, on va regarder si ça nettoie bien un tapis et si la serpillière se lève bien au moment de nettoyer le tapis. J'ai mis ça sur toute cette zone et ce que je vous propose, c'est de prendre le téléphone et de commencer à voir si ça nettoie. En principe, on doit faire la cartographie, mais comment vous dire que dans cette zone, bah, il n'y a pas trop besoin. En principe, vous faites ça quand vous voulez l'installer dans votre appart. Là, j'ai vraiment voulu le tester dans cette zone pour pas perdre de temps. Et ce que je vous propose, c'est directement de commencer dès maintenant. Regardez, le robot est juste là et il va commencer à nettoyer et on va voir s'il est capable de nettoyer tout ce que je lui ai mis. Et aussi, sans oublier, j'ai un chat qui va potentiellement venir à l'intérieur dès qu'elle va voir le robot. Donc du coup, on va voir si aussi le robot est capable d'éviter les animaux. Regardez là, elle est juste ici, elle entend le robot. À tout moment, elle va foncer dessus. Allez, c'est parti, le X2 Omni, fais ton boulot. On va découvrir ça maintenant. Attention, est-ce qu'il va respecter la première étape, c'est-à-dire éviter les obstacles en temps réel? C'est trop bien, elle est en train de regarder tout ce qui lui entoure pour déjà regarder s'il y a des obstacles ou quoi. Elle a fait une cartographie très rapide et là, commence à nettoyer. J'ai mis un carton exprès qui est assez léger pour voir s'il y a le poussé et tout ça. Et pour l'instant, c'est nickel. Franchement, je kiffe trop faire ce genre de vidéo. Au moins, tu vois si vraiment la technologie est à point, tu vois. Ah non, décide d'aller. Oh, attention, le premier obstacle. Oh, elle a évité. Elle a évité le petit poisson, regarde. Elle évite, elle capte qu'il y a quelque chose de pas normal. Et elle passe carrément autour. Incroyable, franchement incroyable. Attention à les poils de chat qui peut potentiellement va aller dedans. Attention mesdames et messieurs, elle va commencer à nettoyer. Oh, what the fuck. Elle a tout bouffé. Elle a tout bouffé. Eh, je vous jure, j'ai mis de la litière pour chat qui est hyper haut. Est-ce que ça va se lever? Est-ce que ça se lève en temps réel? En principe, si ça s'est levé, le tapis ne doit pas être mouillé. Attention. Et là, bon, là, c'est un tout petit peu mouillé, mais ensuite, regardez, c'est tout à fait sec. Ok, regardez comment il a nettoyé de fou. Incroyable. En même temps, elle a avalé. Elle a directement avalé les poils pour chat. Il n'y en a plus une trace. Incroyable. Par contre, voilà, il reste ça aussi, là. Et c'est bon. Attention, est-ce qu'il reste quelque chose? Eh bien non, il reste plus rien, les amis. Et sur ce, on va mettre terminé. Tu vas rentrer chez toi. Allez, on se dépêche, le X2 Omni. Allez, hop, faut aller se nettoyer un petit peu. Regardez la précision, attention. Est-ce que ça va se reculer automatiquement? Incroyable. Et là, en principe, ça doit faire la vidange. Prêt à commencer la vidange du bac à poussière. Voilà, les gars, en principe, voilà, ça nettoie automatiquement, nickel. Là maintenant, c'est en train de vider l'eau usée pour le mettre dans l'autre bac. Je vous montrerai ça juste après. Et les gars, je vous ai dit, le X2 Omni, il est incroyable. Par contre, le chat, on en parle que tu t'en es totalement battu les couilles, en fait. Oh, je te parle. Oh, ça s'en bat les couilles. Déjà, est-ce qu'on peut voir s'il y a vraiment eu l'eau usée? Eh bien oui, les potes, regardez, il y a directement l'eau usée qui est tout simplement dans le bac à eau usée. Et ça, c'est fait automatiquement, les potes. Franchement, là, vous avez aucune excuse. Le robot respecte bien ce qu'il dit. Et franchement, je vous jure, je vais le changer avec mon ancien. Je vais le garder, lui. Il est trop bien. Maintenant, les potes, laissez-moi vous parler un peu de son prix. Je sais que depuis le début de la vidéo, je vous ai pas dit son prix du tout parce que j'ai voulu vous garder jusqu'à la fin de cette vidéo pour cette promotion de dingue. Là, actuellement, vous pourrez retrouver ce robot sur Amazon. En principe, ce robot coûte 1399 €. Il est un peu cher, je vous le cache pas. Bon, après, n'oublions pas, les potes, c'est de la qualité, hein. C'est de la super qualité, ce type de robot comparé aux autres marques. Et pour l'occasion du Black Friday, vous allez retrouver non pas le robot à 1399 €, mais au prix de 1099 €, soit une réduction de 300 € sur ce genre de produit. Bien sûr, cette promotion s'applique pour la version blanche et la version noire. Et si jamais cet objet vous intéresse, je vous mets le lien Amazon dans la description. Je vous le conseille de fou pour faire un cadeau de Noël, ou alors pour vous faire un cadeau de Noël pour éviter dès l'année prochaine de faire le ménage en rentrant du boulot. Franchement, ça, c'est une tuerie. Et franchement, je suis très content de l'avoir reçu aujourd'hui parce que je vais le mettre tout de suite dans mon appartement. Je vous dire, ça va filer droit, le ménage. Enfin bref, si jamais tu as des questions à me poser par rapport à ce robot, n'hésite pas à me les marquer dans les commentaires de cette vidéo. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et si toi aussi tu veux un robot aspirateur Ecovac chez toi, je t'invite à lâcher un maximum de pouces bleus. Je verrai pour le prochain modèle si j'arrive à en avoir deux. Comme ça, je verrai pour vous en offrir, hein.
franchement ça me ferait hyper plaisir. Donc mettez un maximum de pouces bleus si toi aussi tu veux un robot aspirateur. Et puis sur ce, si tu souhaites aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici. Pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap, allez, bye tout le monde.